Allez, bien le bonjour, on est reparti. Donc sur Kina, on est en train toujours de libérer les sanctuaires. Et on a donc trouvé une nouvelle zone. Et potentiellement donc, on va aller tâter le tarot. Oui, oui, oui. Qu'est-ce que ça coûte ? A fox symbol is marked on this old camping gear. Ok. Donc j'étais trop en avance sur mon temps comme d'habitude. Bonjour. Oh, oh non plus, hein. Oh. Voilà, là c'est bon. Là tu veux? Salaud. Ah, il est mort comme ça. Ah ouais, tu m'étonnes qu'il a pas fait le passage vers les esprits. Ste mort de merde. Donc ça, c'est niveau 3 de requis, ok. On pourrait se taper ça, commencer un combat avec un truc. Je pense qu'on va accumuler pour la prochaine truc. Il nous reste encore des trophées, là, qui vont tomber avec des bombes. Malheureusement, du coup, ça spoil les futurs pouvoirs. Et du coup, indirectement, je viens de vous spoil vous aussi. Des bisous. Ok, on arrive donc ici derrière. Et est-ce que ça a un intérêt? Absolument aucun. Là, on a des méchants. Ok. Quoi? Quoi? Pardon? Pardon, excusez-moi. Donc c'est toi le premier. Allez, les petits pets. Je vous ai dit d'y aller là-bas, vous avez pas vu? Allez, c'est parti. Le serpent, il y a beaucoup à manger. Oh, j'ai la flemme. Pour une fois, franchement, on va se gaver. Pas d'autres ennemis, c'est bon? Ok, bon, on refait revenir Coco. Viens, Biquette, viens! Bravo, sur le dernier coup, t'as quand même réussi à faire ça. Oh, par contre, là, il y avait un truc à faire. Attends. Là, il y avait un trophée à faire, là. Là, il y avait moyen de faire un trophée, là, vite teuf, là, tu vois. Bon, eux, on s'en bat les reins, en même temps. Ah, je pensais que ça faisait une AOE, mais pas du tout en fait. Voilà, donc là il y a les trois cocos là. Et les trois cocos. Ah oui, mais toi t'es pas un comme eux, merde. Il est où ton point faible à toi? T'en as pas, on est d'accord. Du coup, je suis deg, parce que je pensais que le troisième était comme les autres.
Genre tout simplement, ok. T'as même pas besoin de ramener Coco de là-bas, quoi. Ok. Allez hop, c'est parti. Il a cru celui-ci. Hein? Allez, vas-y, viens, mon petit serpent dragon. Ah oui! Ah oui, toi, t'es vraiment vénère, quoi. Ah, il y a encore du caca! Bravo. Donc là on est revenu au tout début, là on était. Et on a libéré cet endroit. Putain, si j'aurais bien géré, ouais. Quoi? Donne-moi la thune tout de suite. Voilà. Voilà. Ah, donc il y a bras droit, tête d'eau, je suppose. Aïe. Toi, t'as pas de pustule non plus. Toi, t'as pas de pustule non plus. Lui, il a une pustule. Mais j'arrive pas à faire les trois. Ah, ça m'énerve. Par contre, celui-ci, on peut pas lui envoyer les copains, hein. Et bien évidemment, là, j'en fais deux, mais il y en a pas le troisième, quoi. Bravo! On a dépustulé le monsieur. Et ça c'est quoi? C'est les restes de tarot? Ou peut-être la troisième relique plutôt.
le regret de Taro. Libérer Taro, utiliser les reliques pour libérer Taro. Relique découverte, la lanterne du bon monsieur. Niveau 3! Ils sont désormais bien plus puissants, ils sont complètement craqués. Ah, on peut se faire une graillance ici. La petite graillance, petite graillance. Donc on a désormais quand même 3, je trouve ça énorme quoi. 3, oui, on est d'accord, il y avait bien un truc qui était réfléchissant là. On a donc 3 actions désormais, ce qui est un peu massif. Hein. Parce que 3 flèches bien envoyées dans la jugule là, je suis désolé, mais... bien à lui qui va résister à ça, hein. Hop. Hop. Ninja! Pourquoi il pleut? Est-ce que du coup il est repassé en mode tristesse, désespoir et dépression? Viens, je t'aide. Je te mets des coups de bâton derrière la nuque et là tu te sens mieux, direct. Pas ouais, ça me dérange, voilà. Remets-moi bien. Ah, c'est en plus sa transbahuté. Est-ce que du coup, en le transbahutant, ça remet la lumière? Non. Et quelle est sa position, donc? Bon, dans le doute, on va le faire suivre, copain. Peut-être là. Toujours en avance sur mon temps. Les jeux pour les particules, c'est vachement sympa du coup pour suivre. Hop. Il est où? César, ouvre-toi! Big Bang! Bravo! Ah, il fait beau d'un coup. Hein. Et voilà! Comment on fait la météo, Jamy? Bring the relics to the fallen tree. It's time to help. Ouais, il est temps de buter Taro. T'inquiète, je vais te mettre bien d'aplomb, mon pote, tu verras, tu vas retrouver la paix intérieure. Il y avait un deuxième chemin? Ou pas du tout? Donc là, on est arrivé avec la lanterne. Là, on était arrivé. Non, c'est juste qu'en fait, il y avait l'arbre là qui me faisait penser à un deuxième chemin, mais pas du tout. Ok, on revient. Donc là par contre c'est un Kofiox. La thune, l'argent. Ah non. Une tête en pomme de pin. Ça hein. Magnifique. Putain cette armée quoi. Youhou. Et donc là maintenant faut revenir à l'arbre du début. On est d'accord. Quel est le point de TP le plus proche? Gauche. Allez. On n'a pas eu de nouveau pouvoir de toute façon. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à réexplorer certaines zones. Enfin, surtout on n'a pas vu d'endroit où on pouvait pas accéder parce qu'on n'avait pas le pouvoir. Donne-moi de l'argent. TP. Voilà, et on veut se TP au niveau de l'arbre pour en terminer avec Taro. Coucou! Viens affronter ton destin!
Attends, on va leur parler un petit coup. I'm going to help Taro now, but it's not safe for you here. Go with Mr. Rusu. Be careful, Kane. T'inquiète, t'oublies péter ses gueules. Par le pouvoir de la lanterne, je t'invoque! Par mon coupeau à viande, je lui taillerai ses gigots! Le masque doit rejoindre son possesseur. Horrible! Genre, je me suis dit, ah, c'est bon, on va pouvoir le sauver en fait! Mais non, mais que dalle! Genre, le mec il s'est fait mais alpaguer par la corruption d'un coup là! Et c'est devenu une bête immonde là! Tungsten! Hop! Non, c'était une esquive, je suis désolé. Vous savez qu'on a le bouclier, on l'oublie tout le temps. Hein. Oui. Oh oui, t'es rapide! Ah, petite flèche dans le cul là, c'est ça qui est bon ça. Allez-y les petits potes! Quoi? On peut pas envoyer les petits potes? Ah, vas-y, hein, fais le tour du monde, hein, je t'en prie. Hein. Oh là là, il est en train de me bouffer! Je pensais vraiment que c'était une cinématique exprès en fait, mais pas du tout. Il m'a juste bouffé parce qu'il m'a bouffé quoi. Encore? Il serait con quand même de mourir comme ça. Aïe. Aïe. J'ai mal à ma France. Aïe. Prenez soin de lui les petits potes. Ou bien comme dans les films, quand ça va exploser, on regarde pas l'explosion. Taro, te voilà libéré! Welcome! Bienvenue parmi nous, Taro. The sickness that took our parents was spreading through the village. Spirits of the forest, walk with our people. Guide them on their journey to the mountain shrine. Food was running low. Everyone was scared. C'est la merde, quoi. I never felt so helpless. Saya wanted to stay, but I thought we could go to Rusu for help. I was sure he would know what to do. But something was not right in the woods.
I had never seen Rusu so worried. He sent us back to the village. And I knew we were alone. I was all that Benny and Saya had left. I had to protect them. Cette bouille. It happened the next morning. What the fuck? The explosion from the mountain shrine covered the land in darkness. Il fait nuit là. T'as dormi beaucoup, mec. Vite, va sauver les petits. Everywhere for them. I was their older brother. I was supposed to protect them. Even now, it's hard to forgive myself. Taro, the children know how much you care for them. What happened in the village wasn't your fault. You will always be their older brother, and they still need you. I'm sorry, Kina. We can't take you to the mountain shrine. T'inquiète, petite bouille. On va se démerder. It's okay. You have to go now. Allez, retrouvez votre famille. Des bisous, les petits. Yeah.
Honoré Taro, retourne au sanctuaire des masques pour Honoré Taro. Sanctuaire des masques? Ah, là, au village? Ok. Mais du coup, copain qui a des pop. Oh, peut-être qu'on le reverra plus tard. Comment il s'appelle? Shizu? Non, j'ai plus son nom, merde. C'était par là, attends. Ruzu, voilà. Du coup, go village. Accessoirement aussi, donc au village, il faut qu'on rende une lettre, ou deux lettres même, je crois, à des différentes personnes. Alors, on revient en arrière, et c'est sur notre droite. Ici, donc. C'est toi? Absolument pas. J'espère que nous avons dans l'entrepôt. Je dois y aller pour... Kezako, c'est où? C'est sur ma gauche. Ok, là, je l'ai vu scintiller, le bordin. Welcome! Voilà. Sésame, ouvre-toi! Donc, nouvelle zone du village ouverte. Vas-y! Bing, bam, boum! Tout le monde a explosé, joie et bonne humeur. Alors, il y a visiblement trois personnes. Allez, vous pouvez... Vous pouvez y aller! Au revoir! Allez! Allez, allez! Cassez-vous! Mais est-ce que du coup, on est comme dans le sixième sens et nous aussi, on est morts? Lol. Ennemi, 20 ennemis. Oh ouais, oh. Goûtez donc à mon martox. Ah oui, c'est vrai qu'on a jamais... Non, on a le marteau? Je sais même plus. On peut pas savoir. C'était quoi? C'était R2 carré, hein? Ouais, on l'a pas. Voilà, je cherche pas. Hop. Big Bang Kamehameha Twinston! Pim pim pim! Voilà, merci à vous. Bonjour mon chat! Oh pauvre, il est arrivé, il est reparti. Voilà, merci, au revoir, fais dodo. Est-ce qu'on va lui faire la même à lui? Oui, bravo! Oh là, c'est du bourrinage là. Là, le cerveau, on lui donne un gros kick et on lui dit au revoir. Et sont où les deux derniers ploucs restants, là? Allô? Allô? Non mais allô? Et les deux ploucs restants, ils sont où? Non, ma vie, c'est de la merde... Et du coup, c'est échec à vie? Sincèrement, on est en échec à vie, là? Mais jamais j'accepte ça. Déjà, on va commencer par faire une sauvegarde si jamais il y a une couille dans le petit. Donc 20 ennemis. En fait, j'avais tellement bourriné que je me suis dit, vas-y, comment je peux faire pour en avoir encore plus? Et là, j'ai fait exprès de pas faire pop les deux ennemis qui restaient.
C'est une blague ? Et son sketch ! Et son sketch ! Comment te dire hein ? Là on peut pas l'utiliser. Là on peut pas l'utiliser. On est bien d'accord, il n'y a que celui-là qui brille. Celui-là on lui dit vas-y, fais péter les mecs. On va bien attendre qu'il pop. Parce que visiblement on va trop vite, il supporte pas le jeu. Il est bien popé lui, il est bien popé, voilà, il est bien popé. Le monsieur là, il est bien popé, voilà, 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 on fait que de l'attaque rapide, hein, on fait que du R1, hein, voilà. On fait pas de variation de gameplay, hein, on va pas trop vite, on va pas trop vite. Il est bien popé. Lui là a popé. Voilà. Lui là a popé. Voilà, bravo. La suite du mouvement. Lui là, il vient de popper. Le frangin en face, il est où? Hop. Voilà. Alors, on reste sur un rythme dégueulasse. On ne met pas de flèche pour pas aller trop vite, parce que sinon il va gogoliser le jeu. Et là, il oublie de nous faire popper trois amis. Bravo! Il n'y a pas de guignolo en l'air, hein, on est d'accord, hein. Vas-y, je me corse. Attends, dernière tentative et puis après on va couper la vidéo, quoi qu'il se passe. Parce que là, au bout d'un moment, c'est pas ma faute, hein. Voilà. Voilà, voilà. Voilà, 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 voilà. Voilà. Faut que je tienne un truc. Si on se casse, est-ce que ça revient? C'est ça le truc. Parce que là, la dernière fois quand on y allait, du coup, ça buguait. Waouh, tellement d'argent. Bon, quoi qu'il en soit, des bisous, coupe la vidéo ici. Salut, salut.